Il paraît qu'il s'est passé la même chose en Guyenne. Les rats. La morsure qui empoisonne le sang. Ça semblait pourtant si loin. Oiseau, reviens. Hé, tu faisais un rêve. On est arrivé ? Non, mais c'est plus très loin. Hé ! Ne regarde pas. Pourquoi ? Ça les fera pas partir. Ça changera rien. Hugo, tu étais en pleine crise. Je veux pas aller à Marseille. D'autres gens vont mourir, tu le sais. Mère pense que tu... Non ! Sur l'île ! C'est là que je dois aller. Là-bas, on pourra me soigner, Amicia. On va la trouver, s'il te plaît. Personne m'écoute. J'ai dit à maman que j'avais mal, mais le magistère m'a dit de me taire, que ça faisait partie de l'examen. Maman et le magistère, ils croient tout savoir, mais ils ont tort. Et les gens meurent à cause de moi. Hé. Je sais. Je ferai ce qui est le mieux pour toi. C'est promis. Lucas, va voir le capitaine avec Hugo. Bien sûr. Il va te montrer comment tenir la barre. Je vais lui demander de nous apprendre à faire des nœuds marins. Et peut-être qu'il nous laissera naviguer ? Oui. Nous devons le mettre en lieu sûr, Amicia. Vous voulez l'enfermer à nouveau ? Ça n'est pas la même chose. Tu as vu ce qui s'est passé ? L'ordre a des hommes et du matériel. Ils sauront comment l'aider. Tout ça est arrivé à cause de ce que vous et Vaudin avez fait à Hugo. Mère, si vous continuez de l'isoler et de lui infliger ces tortures, ça va le tuer. C'est un enfant, c'est une victime comme toutes les autres. C'est mon enfant. Je ne suis pas ton ennemi, Amicia. Je sais à quel point tu aimes Hugo et je sais que je ne peux pas vraiment comprendre le lien qui vous unit tous les deux. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ce qui est arrivé là-bas se reproduira. C'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, les débris ! Ils nous bloquent le passage ! Je vais jeter un œil. Je pense voir le problème. On va le régler tous les deux. D'accord, gamin. Je vous laisse vous en charger. Hé, tu peux retourner à l'intérieur si tu veux. Non, tout va bien. Je ne te laisserai pas tomber, je te l'ai dit. Pour l'instant, on doit faire avancer ce bateau. Et c'est loin d'être fait. Oui, vas-y. Merci. Regarde, il y a un tas de débris coincés sous la coque. On les retire ? Ça prendrait trop de temps. Et si on le poussait, simplement ? Eh bien, on peut essayer. Prêt ? Oui. Alors, pousse ! Vous allez devoir nous rattraper ! Quoi ? Amicia ! Suis-nous ! On attendra plus en aval ! Allez, viens. Il faut qu'on trouve un chemin. Bon, j'espère que Joseph pourra arrêter le bateau. Il ne méritait pas ça. C'est une tragédie. Je n'aurais jamais pensé. C'est trop tard. Mais cette île... Hugo dit que ça va tout arranger. Alors ce sera le cas. Comment ? La question, c'est où ? Il faut qu'on la trouve. Et votre mère ? Ça m'est égal. Mais toi, tu vas devoir choisir ton camp. C'est... C'est ma magistrat.
passage. Là. Par ici. La rivière est là. Les voilà. Bon sang. C'est encore pire, Ludo. Cette odeur est insoutenable. Qu'est-ce que c'est? Non, non, non. Que se passe-t-il? C'est eux. Ils sont déjà là. De la chance. Est-ce que ça marche? Oui! Allez, cours! Oh! Bon, c'est un début. On est encerclé. Y'a, Lucas, c'est pour toi. D'accord. Ça fonctionne! La paille bouge! Oui, ça pourrait nous permettre de passer. Tu abuses trop? Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera, si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Oh, la paille ne suffira pas! Je devrais pouvoir l'allumer. Elle arrive. Tout ça juste pour atteindre Marseille. Mais tout pourrait s'arranger là-bas. C'est pas le cas. Et Hugo n'y croit plus. Oui. Je peux comprendre pourquoi elle ressent ça. J'y suis. Bloque-la ici. D'accord. J'arrive. Allez, on peut continuer. Amicia. Oui, on arrive, Hugo. Il est toujours effrayé. Il faut vite que je le rejoigne. Ta mère est avec lui. Elle est perdue, Lucas. Et il le sait. Bon. Faisons en sorte que tu remontes vite à bord. On va de nouveau utiliser cette grue. Bien. Occupe-toi de ça, Lucas. Tout de suite. Amicia, tu devrais me dire ce que tu as en tête. À propos de quoi? De cette île. Je te connais, tu sais. Je te l'ai dit. Tu dois choisir ton camp. Dis-moi quand lâcher. Maintenant, j'y vais. Allez, plus vite. Non, non, Lucas, qu'est-ce que je fais? Attrape ça. Frappe le sol avec. Va jusqu'à l'escalier. Oh, c'est quoi ça? Vite, ça durera pas. Arrière, arrière. Il n'aime pas ça. Oh, qu'est-ce que c'était? De la pyrite. Un minéral. J'en ai trouvé en chemin. Eh bien, ça m'a sauvé la vie. Merci. Je m'attendais à des étincelles. Pas à ça. Il m'en faudra plus. Bon sang, en ramasser d'autres. Et maintenant, à moi de te faire passer. Bon, elle a l'air de faire tout le tour. Tiens bon, Lucas. Rien ne presse. Déplace ce ballot de paille. Ça pourrait être utile.
faire. Oui, beau lancer. Belle réception. Bon, à moi. Seigneur. Tu peux y arriver, continue de courir. Oui, c'est juste des rats. Je connais les rats. Alors, j'attends quoi? Allez, allez, yeah! Cours, réfléchis pas. Ne pas réfléchir. Ouais, tu cours plutôt vite. Merci. Une bonne motivation, c'est la clé. Je suis coincé. Ce truc est verrouillé. D'accord, je m'en occupe. Bon, on a une autre botte de paille. Je l'enflamme et on court. D'accord. Prépare-toi. Merci. Ça m'aide à prendre de l'élan, je crois. On est tout proche. Respire. J'essaie. Bien, on y est presque. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Une fois que l'Ordre aura mis la main sur lui, ça sera trop tard. Amicia, ils ne peuvent pas tous être comme Baudin. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. Tu me connais, je reviens toujours. C'est ce que je lui ai dit. Mais c'est bon de vous voir sain et sauf. Désolé de vous interrompre, mais on doit y aller. Il y a toujours une foutue chaîne qui nous bloque. On va s'en occuper. Lucas, tu dois le faire. Naturellement. Ça contrôle un bac. On n'a pas besoin d'un bac. On a besoin de casser cette chaîne. Il n'y a rien de notre côté. Je pensais. Peut-être de l'autre côté. Ce bac pourrait m'y emmener. C'est un chantier pas possible sous ce ponton. Quelque chose doit entraver la chaîne. Comment on va descendre là-dessous? On va trouver. C'est en pente, ça restera pas en place. Amicia, ce chariot est sur le chemin. T'aider avec ce chariot, tu sais. Il y a un passage dans les planches, là. Lucas, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Tout de suite. Je descends.
Sois prudente. Oh, oh Seigneur. Oh. Est-ce que ça va? Je vais bien. Il y a des morts partout. Sors de là. Non. Ça va aller. Pardonnez-moi. Oh, oh non. Pitié, non. Oh, je suis désolée. J'ai pas le choix. Pardonnez-moi. Il faut que je le fasse. Réussi. Je t'envoie le bac. Oui, pitié. Reviens. Oui, j'arrive. Ça devait être horrible. Oui. Oh. Tout va bien? Oh. Prête? J'avais tellement besoin d'air. Prends ton temps. J'attends ton signal. C'est bon, arrête. Désolée, Amicia. J'ai peur. Mais non. Tu n'y es pour rien. Tout ira bien à Marseille, Hugo. Je ne veux pas aller voir l'ordre. Magister Vaudin n'était pas un homme gentil, je le sais. Mais cette fois, ce sera différent. Mère, son île. Pas maintenant, Amicia. Très bien. Bien, il faut dégager cette chaîne, d'une façon ou d'une autre. Tu vois quelque chose? Je cherche. Il y a forcément quelque chose ici. Suis la chaîne, Amicia. Tu finiras bien par trouver. Comment elle va revenir? Bon, la chaîne est partie, mais les pontons aussi. Je vais m'arriver aux écluses du pont. Lucas, tu peux y aller? J'y arriverai. D'accord, je me rapproche. Attention! Sois prudente. Oui, oui. Je me moque bien d'être en sécurité. Ce qui m'importe, c'est Hugo, mère. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais lui, écoutez-le au moins. Concentre-toi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça devrait me simplifier un peu la vie. Voyons ce qu'il contient. Thank you.
Comment je traverse ça? Encore un sacré pétrin. Calme-toi. Tu es bouleversée. Et tu sais pourquoi. Lille. Tu verras ça plus tard. Reste concentrée. Salut toi, petite naufragée. Désolée, mais je vais avoir besoin de toi. Tout ce qui peut lui redonner le sourire. Finissons-en. Une étape franchie. Lucas ! Où es-tu ? Mère ! Lucas n'est pas avec vous ! Non ! On l'a perdu de vue ! Comment ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Je devrais pouvoir revenir maintenant. Ici. J'ai besoin de toi. Il va falloir que je grimpe encore. Le chariot était de la bonne taille. Ah !
devrait marcher. Allons-y. Bien. Trouver une île. Comment tu vas faire ça? Peut-être en demandant à Joseph. Discrètement. Les hommes d'Arnaud! Ne le touchez pas! Tu vises et tu tires, c'est simple! Recharge avec la manivelle! D'accord! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous dites de ça? Lâchez-moi! Lucas! Est-ce que ça va? Je tremble comme une feuille! Merci! Il y a trop de rats! Je ne peux pas vous rejoindre! Amicia, dégage-lui un passage! Comment? Fixe de lignifère sur la pointe de tes carreaux! Vise un morceau de bois! Comme ça, il devrait continuer à brûler! Compris! Lucas, je te dirai quand la voie sera libre. Merci, ça ira. Je commence à voir un chemin. C'est bon, tu peux venir. Oui, bravo, j'arrive. Est-ce que ça va? Oui, mais mon sang n'a fait qu'un tour. Merci d'avoir visé juste. C'étaient les mêmes hommes que dans l'arène, Amicia. Que s'est-il passé dans l'arène? Qui est cet Arnaud? Ça, c'est un très gros problème pour vous. Faut partir. Voilà donc la célèbre fille à la fronde. Je vois que tu as de la ressource quand il s'agit de tuer mes hommes. Partons! Vite! Vas-y. Essaie! Qu'est-ce qui se passe? Remontez la vidéo! Enfermez-les! Vous la ramenez chez moi! Je me suis juste défendue! Tirez! Arrêtez-les! Amicia, appelez-toi avec nous! Non! Quelqu'un doit couvrir Joseph! Ne sois pas stupide! Il sera en danger! Je... Vous occupez pas de moi! Oui,
Oui, venez, je vais vous montrer. Je vais t'avoir, César. Tu dois tenir bon. Occupe-toi de lui. Si vite. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Non! Je suis là. Voyons comment tu te bats contre un guerrier en armure. Pourquoi tu fais? Viens lui faire. Je suis venu pour bateau. Toi, à ta demande. Retourne aux cordes. Regarde-toi. Prise au dépourvu. Pour tuer, tu sais te débrouiller. Pas de mal. Promis. Je dois atteindre le bateau avant lui. Je dois bouger. Tu dois l'arrêter. Fais quelque chose. Le coupable n'est pas loin. On joue plus. Tu vas voir si je joue. Ah !
bougez pas ou je vous tue. Il faut l'aider. Une dernière leçon. Si tu dois risquer ta vie, fais un peu mieux que ça. Hugo! Regardez ça. Voilà tes renforts. Pas mourir, hein? Non! Remontez! On n'a plus beaucoup de temps! Qu'est-ce que vous attendez? Amicia! Amicia! Qu'est-ce que tu fais? Amicia, pourquoi? J'ai une idée. Si nous prenions la mer, rien que toi et moi, allons trouver ton île. Ils savent pas naviguer en bateau. Hmm? Maman et Lucas. T'en fais pas, Hugo. Je connais peu de gens aussi intelligents. Ça saigne encore? Oui, je crois qu'on ferait mieux de soigner ça avant que ça s'infecte. Il y a de l'eau là-bas. Oui. C'est ton île? Oui. On dirait des dents. C'est l'île aux deux dents. Tu sais, je crois que je l'ai vue. En peinture, au laboratoire de Vaudin. Alors elle existe vraiment? Je vais t'aider. Doucement, hein, d'accord? Oui. C'est bon. Déjà? Parfait. Merci. Tu es douée, tu sais. J'ai essayé de pas te faire mal. Et tu as réussi. Bon, venez, messieurs. Nous allons trouver votre île. Ah oui. Comment on va sur une île? En bateau. Une fois qu'on sait où elle est. Maman va être fâchée, tu crois? Elle ne va pas être contente, mais ne t'inquiète pas. Et tu crois que ces bandits, ils vont les suivre? Non, ils sont en sécurité. Mais ils ont pas d'armes. Ils vont fuir ou se cacher, Hugo. Wow! Regarde ces belles fleurs. Oui. Allons, tu adores les fleurs. Si leur bateau coule. Hugo. Est-ce qu'ils savent nager? Tout ira bien. Promis? Oui. Attends. Tu vois cet arbre? Je suis sûre que je peux l'attendre avant toi. Maintenant? Pourquoi? Parce que tu es une poule mouillée. Même pas vrai. Toi-même. Montre-moi ça alors. 3, 2, 1. Hé! Quoi? T'es qu'un poulet!
Ah, oh, non, ça saigne encore. J'ai gagné. Ça va passer. C'est pas drôle. Désolée, mais si. Tu t'es fait mal? Non. Oh, regarde. Vraiment une belle plume. Elle est toute douce et toute bleue. Elle a dû tomber du nid qui est dans cet arbre, là-haut, tu vois? Oh, oui. On cherchera d'autres nids et je suis sûre qu'on trouvera d'autres plumes. Oui. D'ici là, je ferai de toi un oiseau. Un chevalier oiseau. Tiens, ça me rappelle. J'ai trouvé de jolies fleurs quand j'étais avec Lucas. Tu les veux? Je crois que je préfère les plumes maintenant. Ah, d'accord. C'était une belle course. Oui, c'est vrai. Ça te fait encore mal? Non. Ce qui fait mal, c'est que je suis un poulet maintenant. Mais un gentil poulet. Trop aimable. La prochaine fois, je te laisse gagner. Ah non. La prochaine fois, je t'écraserai. Oh, tu entends ça? C'est quoi? Des chants. On dirait une messe. Il y a une église ici? On va voir. Qu'est-ce que c'est? Un marché! Non, on est trop loin d'une ville. Mais les chants viennent de là. Ils savent peut-être où est l'île. Oui. On va demander. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Oui, nous cherchons notre chemin. Pourquoi ils chantent, les gens? Oh, c'est l'heure de la messe. Nous sommes en pèlerinage. Alors nous prions pour arriver à bon port. Oh, vous vous rendez à Rome? Exactement. Et vous? Où allez-vous? Sur une île. On ne sait pas grand-chose à son sujet. Oh, notre meneur Perreux connaît bien la région. Il vous aidera. Vous le trouverez près des ruines. C'est lui qui dirige la messe. Mais vous devriez vous reposer à l'ombre. Vous avez l'air blessé. Oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Pourquoi est-ce qu'ils vont à Rome? Parce que l'année prochaine, c'est le jubilé. C'est une année très spéciale. Allons trouver ce Perreux. Attention, les enfants! Doucement! Les anciens semblent tenir le rythme. Oui. Ils sont robustes. Salut, Loi! Oui, la foi est forte. On va voir le pape à Rome? Peut-être. Si on a de la chance, il y aura des milliers et des milliers de pèlerins. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Voilà la messe. Est-ce que c'est Perreux dans le fond? Chut. Oui. Tu pourras le voir quand ce sera fini. Oh, pardon. Nous attendrons ici. Merci. Plus près de toi, Seigneur, protège ces humbles pèlerins durant leur saint voyage, car ils cherchent le salut au milieu des ténèbres et reçoit les prières des plus faibles. Amen. 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 Vous pouvez y aller. Merci. Amen. Pardon? Amen ne veut pas dire merci, tu sais. Ah. Allons lui parler. Bonjour. Ah, bonjour. Et bienvenue. Vous êtes nouveau ici? Oui. Et à vrai dire, nous sommes un peu perdus. Et où allez-vous? Pas à Rome, je présume. Non, on essaie de trouver une île. Elle a deux dents et il y a un oiseau et un petit lac et des fleurs. C'est probablement une île avec deux grandes montagnes. On nous a dit que vous pourriez nous aider à la trouver. Je n'ai qu'un vague souvenir, mais j'ai une vieille carte de la mer Méditerranée quelque part. Vous voulez jeter un œil? Oui, merci, ce serait parfait. Bonne gens! Qu'est-ce qui se passe? Nous cherchons un garçon et une fille. La fille a tué plusieurs soldats. Elle est armée et dangereuse. Sur ordre du comte Victor d'Arles, nous allons fouiller ce camp. Je vois la culpabilité. Allez. Dans tes yeux. Mais
quoi que tu aies fait, je ne livrerai pas un enfant. Suivez-moi. Il faut vous faire sortir du camp. Suivez-moi. Essayez de passer inaperçu. Qu'est-ce qui se passe ? Faites place ! Sortez de vos tentes ! Il cherche quelqu'un. Coopérez et vous aurez rien à craindre. Pitié, ne nous faites pas de mal. Nous n'avons rien fait. De nouveau venus derrière. Attention ! Des intrus ! Oh, des gens arrivent tous les jours ici, vous savez. Ils vont tout raconter. Non, mais j'espère que vous vous rachèterez. J'essaierai. Nous sommes tous jugés un jour. Doucement, il y en a d'autres. Deux enfants, une fille et un petit garçon. Je ne sais pas. On est tellement nombreux. Alors réfléchis. Hé, faites attention. Reculez. Non. On a un problème. Cachez-vous sous la charrette avant d'être vu. Je m'occupe d'eux. Allez, Amicia, je sais. Chut. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Avez-vous parlé à ce groupe là-bas ? Certains nous ont rejoints récemment. Il ne ressemble pas vraiment à vos fugitifs, mais qui sait? C'est mieux que rien. Allons voir ça. Vous avez entendu? Soyez sur vos gardes et ouvrez l'œil. Bonne idée. On peut y aller, Amicia? Pas encore. Attends son signal. Hé, hey, vous! Moi? Depuis quand faites-vous partie de cette procession? La voie est libre. Venez, calmement. Allons-y. Vous trouverez un chemin vers la mer de l'autre côté de l'enclos. Nous vous devons beaucoup. Merci. Soyez prudents. Allez, il faut qu'on se dépêche de partir. J'espère qu'ils auront pas de problème. Tant qu'ils ne nous trouvent pas, personne n'aura de problème. Partons loin d'ici. Quelqu'un a vu un garçon et une fille traverser le camp. Étendez les recherches. Oh non. Vite. Arrêtez, ah, ils sont là. Cours, Hugo. Droit devant. Avec moi. Ah, ici. Tuer des soldats ? Oui, je... J'ai perdu la tête. Tu me l'avais pas dit ? J'avais trop honte. Allez, reste concentré. Amicia, attends ! Il y a des gens. Je n'entends rien. Comment tu le sais ? Je les sens. Je pense que c'est les rats. Je peux essayer de me concentrer. T'es sûre de toi ? Oui. Ne t'en fais pas. D'accord. Sois prudent. Oui. Je les vois. Ils sont là. Des soldats. Attends. Comment ? Les rats. Ils sentent le sang des gens. Moi aussi, maintenant. C'est comme un bruit. Ou un écho. Alors, ils sont où ? Pas loin. Ils approchent. Je peux le refaire si tu veux. D'accord. Allons-y. Prudemment. Ouvrez l'œil, soldat. Ils sont piégés ici. Ils ne peuvent plus fuir. Où sont les mineurs? Cette mine n'est pas abandonnée, si? Oh, commence pas avec des fichues superstitions. C'est le capitaine que tu devrais craindre. Cette gamine la plus énervée que 1000 Anglais réunis. Ah.
tête, c'est toujours. Ça va. Lyra, Hugo, on doit s'en inquiéter. Est-ce qu'ils arrivent? Non. Ils sont loin, pour l'instant. Concentre-toi bien sur eux. Elle a tué des soldats, Gary. Qui c'est? Les chiens de guerre de la muraille? La muraille n'utilise pas les femmes ou les enfants. Ils sont là aussi. Comment on va sortir de là? Elle est possédée. Il faudra brûler son camp. Fanny, j'en vois d'autres. Tu t'en sors bien. On y est presque, Amicia. Oui, silence. Thank you.
C'est quoi ce bruit? Pas de quoi s'inquiéter. Allons voir. Je me suis encore trompé. Oh, on y est. Mais... Oh, pardonne-moi. Je me sens mal, Hugo. Tu te reposeras à l'intérieur. Bien. Que s'est-il passé? Terra, j'entends Terra. Ne t'inquiète pas, ils nous ont aidés. Quoi? Hé hey, Terra! Tu vois ça? Terra! Ouais? Il s'est passé quoi ici? Ils sont en train de dévorer nos hommes! Attention! Des soldats! Non, je peux pas. Repose-toi, je m'en occupe. Comment? Tu vas voir. Ok, ça nous prendra. Attends, qu'est-ce qui se passe? Sautez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est fait. C'était quoi ça? T'as vraiment... Oui. Tu peux te lever? J'ai pas le choix. Doucement. Allez, on s'en va. Tu les as vraiment contrôlés? Oui. Ils me laissent les utiliser. D'accord. Partons d'ici, maintenant. Thank you.
t'entends toujours dans ma tête. Ça siffle. Tu les as contrôlés comme avant? C'est différent. Cette fois, j'étais dans leur tête. Attention, ils ne doivent pas prendre le dessus. La macula veut te submerger, se nourrir de tes émotions. Tu dois faire très attention. D'accord. Commence à avoir froid. Dépêchons-nous. Oui, ça va te réchauffer. Oh, du tissu, tout neuf. Ton bandage est sale. On pourrait le changer. On pourrait utiliser cela. Ils sont propres. D'accord. Ça va te faire du bien. J'espère. Lequel tu veux? Je ne sais pas. Celui-là. Ne bouge pas. Pardon. C'est fini. Merci. C'est mieux, j'espère.
N'oubliez pas, je vous aurai. J'arrive pas à croire qu'on l'a fait. Te voilà enfin. Priez pour ton insolence. Après toi connaître la morsure de la bête. Quoi? Non. T'es coincé. Je vais m'occuper de toi. Personnellement. Amicia, ta blessure. Peu importe. Je vais régler ça. Je m'occuperai du gamin. Je te fracasserai la tête! Regarde-toi! Amicia, regarde ton dos! Ça marche pas, Amicia! Oui! Son armure, elle est trop épaisse! Ça va. On continue. Amicia. Non. Tu saignes beaucoup. Là, c'est eux. Ils arrivent. Je peux pas. Tu vas devoir t'en occuper. Tu es sûr? Vas-y, vite! Ah! On lui avait fait assez de mal! Garde, le contrôle, Hugo! C'est fini pour toi! Arrêtez! Ou je vous tue tous! Je l'ai déjà fait! Qu'est-ce qui t'arrive ?
Diego! Il faut qu'on sorte d'ici. Quoi? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Je vais nous sortir de là.